Aujourd'hui, il existe tellement de types de farine qu'il est difficile d'en choisir une. Pour ceux qui ont une alimentation saine et qui sont toujours à la recherche de nouvelles options, la farine de raisin vaut la peine d'être essayée. La farine de raisin est l'une des nombreuses alternatives à la farine blanche. Parfois violette, parfois verte, cette farine est fabriquée à partir de la peau et des pépins du raisin, un fruit riche en antioxydants et en fibres. Voyons 8 raisons d'utiliser cette farine. Je parie que les deuxième et quatrième raisons vont vous étonner, car elles contribuent à votre apparence physique tout en étant bénéfiques pour votre santé. Prévient les maladies cardiaques et réduit le cholestérol grâce à sa richesse en antioxydants comme le resvératrol, améliore la circulation sanguine en réduisant l'inflammation et la formation d'athérosclérose dans les vaisseaux sanguins, ce qui prévient les varices, améliore la fonction intestinale et aide à contrôler la glycémie, grâce à ses fibres, réduit les douleurs articulaires et combat le vieillissement prématuré grâce à sa teneur élevée en antioxydants. La farine de raisin n'est pas seulement un substitut de la farine de blé. Elle peut également être utilisée dans les smoothies, les jus, les desserts, et partout où vous le souhaitez. Pour faire de la farine de raisin à la maison, suivez cette recette, retirez la peau et les pépins des raisins, rincez-les soigneusement et étalez-les sur une plaque de cuisson, en veillant à ce qu'ils ne soient pas empilés pour faciliter le processus de séchage. Ensuite, mettez la plaque de cuisson dans un four à feu doux pendant 40 minutes, ou jusqu'à ce que les peaux soient sèches. Enfin, broyez les graines et les peaux séchées dans un mixeur jusqu'à ce qu'elles deviennent de la farine. Conservez la farine dans un récipient fermé, de préférence au réfrigérateur, pour augmenter sa durée de conservation. Consommez la farine dans les 2 à 3 semaines suivant sa fabrication. Vous pouvez utiliser la farine de raisin dans les gâteaux, les cupcakes, les muffins, les sucreries, le pain, la pizza, les crêpes, les biscuits et les smoothies. Découvrez comment faire du pain sain et savoureux avec de la farine de raisin. Appréciez-vous la vidéo jusqu'à présent? Laissez un commentaire pour nous faire savoir si nous contribuons à vous informer. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Notez les ingrédients: une tasse de farine de blé complète biologique, une tasse de farine de raisin, une cuillère à soupe de sucre brun biologique, une cuillère à café de sel rose de l'Himalaya, 2 cuillères d'huile d'olive extra vierge biologique, une tasse de farine de blé, un œuf bio élevé en plein air, une cuillère à soupe de levure chimique, mélangez tous les ingrédients secs dans un bol. Ajoutez les liquides et remuez. Ajoutez délicatement un peu d'eau chaude jusqu'à ce que la pâte atteigne une consistance de pain. Couvrez la pâte avec un linge et laissez-la reposer un moment. Divisez et façonnez la pâte en petits pains, et laissez-la reposer jusqu'à ce qu'elle lève et devienne plus légère. Faites-les cuire dans un four à 536 F jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. Et voilà, ils sont prêts. Vous pouvez déguster votre pain à la farine de raisin avec des confitures, du beurre, ou comme vous le souhaitez. Bon appétit! Essayez-le et partagez votre expérience avec nous. Vous aimez la vidéo? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.